Salut, c'est Elix. J'espère que tout le monde se porte pour le mieux. Je suis ravi de vous faire cette petite vidéo face caméra pour vous parler d'un projet qui m'a beaucoup touché, tant sur la démarche artistique que sur la symbolique du projet. Je vais vous parler d'un projet de musique expérimentale connu sous le nom de The Caretaker. C'est le projet d'un monsieur né en 1974 en Angleterre qui s'appelle James Leyland Kirby. Je vais être amené à dire beaucoup de fois son nom dans cette vidéo, donc ce sera plus simple, on va juste l'appeler James. James débute la musique en 1996, où il commence par faire de la musique noise et beaucoup de collages musicaux, donc c'est prendre pas mal de sons différents, issus de différentes sources, pour les mettre ensemble et en refaire une œuvre originale. Il s'intéresse énormément à la musique expérimentale et commence à essayer de produire ses propres œuvres. Un jour, il va créer son projet qui s'appelle The Caretaker, qu'on pourrait traduire en français par Le Gardien. Selon Wikipédia, qui est une source plus ou moins fiable, mais bon, ça vaut ce que ça vaut, ce projet lui a été inspiré de la salle de bal hantée, issue du film The Shining de Stanley Kubrick, que je vous invite à voir si jamais vous ne l'avez pas vu. Here's Johnny! C'est un super film, il est même assez culte, je pense. Donc vraiment, si vous l'avez pas vu, avec Jack Nicholson, je vous le recommande, c'est un super film. Donc James fait principalement de la musique ambiante avec d'anciennes bandes sonores qu'il reprend pour les retravailler et créer de nouvelles œuvres avec. Les albums qu'il fait sous le nom The Caretaker, c'est des albums qui abordent principalement les thèmes de la mémoire, de l'amnésie et du souvenir. James a composé un projet qui s'appelle Everywhere at the End of Time, composé de 6 albums qui sont tous liés entre eux. Ces albums sont tous sortis respectivement entre 2016 et 2019. Chaque album de ce projet représente une phase de l'évolution de la mémoire d'une personne souffrant de dégénérescence de la mémoire. Et c'est vraiment brillant. C'est quelque chose d'extrêmement bien fait. Et c'est pour ça que je tenais à vous en parler aujourd'hui. Quand il fait ce projet, il présente chaque album comme une des étapes de la perte de mémoire, donc de la dégénérescence de la mémoire d'un patient. L'album numéro 1, du coup, illustre la pleine conscience, et le dernier album illustre donc la démence totale. Je trouve ça assez fou, puisque on ne peut pas, c'est ultra difficile, voire impossible, de se projeter dans la tête de quelqu'un qui ne peut plus penser, qui est vraiment dans un stade de démence totale, puisqu'il faudrait penser à ne pas penser, et c'est une chose complètement impossible. Bref, ce projet m'a particulièrement touché, puisque ma grand-mère est décédée de la maladie d'Alzheimer il y a maintenant quelques années, et c'est quelque chose de très très triste à voir. Effectivement, c'est assez difficile de voir une personne intelligente, qui l'a été toute sa vie, devenir un jour après l'autre une moins bonne version d'elle-même, jusqu'au jour où elle a oublié tous les lieux qu'elle a connus et tous les gens qu'elle a aimés. Et même si tu te prépares à ça, à te dire que un jour la personne t'aura oublié, le moment où ça arrive est toujours plus dur que ce que tu imaginais, puisque ça te brise le cœur littéralement en fait. Du coup, je pense que c'est vraiment une des choses les plus tristes que j'ai eu l'occasion de voir en tout cas. C'est un processus extrêmement progressif, puisque au début, ça commence juste par la personne n'arrive plus à faire des calculs mentaux basiques, ne sait plus où elle a rangé telle ou telle chose. Ensuite, elle peut oublier où elle habite. Elle peut aussi même, enfin, oublier justement des gens. Elle peut également oublier que des gens sont morts. Elle peut oublier son existence, en fait, ce qui la détermine en tant que personne et ce qui fait que cette personne est ce qu'elle est, donc son vécu, tout ça peut complètement être oublié au fur et à mesure. Et je me dis, quand on est à un stade de dégénérescence de la mémoire très poussé, ça doit être un sentiment de solitude immense, puisque on ne sait pas qui sont les gens autour de nous, on ne sait pas où l'on est, on ne se rappelle peut-être parfois même pas de qui l'on est vraiment, ça doit être un sentiment de solitude immense, je pense. Bref, donc voilà, je trouvais ça vraiment perturbant et comme j'ai beaucoup de temps en ce moment, je me suis écouté tout le projet, donc les 6 albums qui durent au total 6h30. Pendant chaque album, j'ai pris des notes sur ce que je ressentais, ce que ça m'évoquait en termes de musique ou en termes de sentiments, etc. Et j'avais pas du tout prévu d'en faire une vidéo à la base, en fait j'avais pris ces notes plus pour moi-même et pour me faire à l'expérience un peu introspective du truc, mais en fait ça m'a tellement marqué que je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle.
et que j'utilise ces notes pour faire cette vidéo en fait. Donc j'ai écouté les 6 albums de Everywhere at the End of Time hier, entre 21h et 3h du matin, quelque chose comme ça. C'est vraiment une expérience auditive assez puissante. Vraiment, je recommande pas forcément aux gens qui connaissent quelqu'un qui a une maladie dégénérative de la mémoire. Je leur conseille peut-être pas d'écouter le projet à ce moment-là. Peut-être attendez un peu plus tard dans votre vie pour le faire, puisque je pense pas que ça va vous aider en fait, tout simplement. Donc après, voilà, libre à vous de faire comme vous voulez, mais c'est juste un conseil que je peux vous donner. Je vous propose tout de suite de passer au premier album de Everywhere at the End of Time. Chacun des 6 albums de Everywhere at the End of Time possède une pochette et chaque pochette représente assez bien justement ces étapes de la dégénérescence de la mémoire. La première pochette ressemble à ça. Quand on voit cette pochette, on se demande ce que c'est. On dirait un vieux magazine ou un vieux journal. Ça peut être l'incarnation d'un souvenir un peu vieillot dont on se rappelle encore, en fait, je pense. Le premier album est assez agréable à écouter. Ça s'apparente vraiment bien aux rêveries que pourrait avoir une personne âgée. Et quand je l'écoutais, je m'imaginais une personne âgée sur sa chaise à bascule qui regarde des gens jouer dans le jardin, ou ils sont juste là, un peu rêveurs, et ils prennent du bon temps au soleil. Moi, cet album, c'est ce que ça m'a vraiment évoqué. On peut notamment le remarquer, puisque on est tout de suite plongé dans l'univers du souvenir. Il y a un grain de vinyle qui fait vraiment, qui donne un côté rétro à la musique, qui fait que ça s'apparente encore plus à un souvenir du coup. Dans les quelques instruments et les mélodies et la manière dont c'est joué, ça fait vraiment vieille bande-son un peu des années 30 ou 50 et ça fait vraiment un peu souvenir quoi, c'est vraiment super bien fait et c'est super agréable à écouter. On pourrait presque apparenter ça un peu à du lo-fi ou on pourrait écouter ça en bossant, en lisant un bouquin ou quoi et ça s'écoute super bien, c'est vraiment un très bel album. Notre ami James qui a composé cet album prend le soin de laisser une petite description. Et il le fait pour chaque album de Everywhere at the End of Time. James décrit ce premier album comme la gloire de la vieillesse et la gloire du souvenir. Le nom des titres de chaque morceau est assez minutieusement choisi. L'album s'ouvre d'ailleurs sur un morceau qui s'intitule It's Just a Burning Memory. Et notamment, on peut retrouver des titres comme We Don't Have Many Days, The Loves of My Entire Life et Things That Are Beautiful and Transient. Ce premier album se termine sur un morceau qui s'appelle My Heart Will Stop in Joy et c'est un très beau morceau pour passer justement du coup maintenant à la deuxième phase du projet. La pochette de la phase 2 représente un pot de fleurs contenant des fleurs flétries. Le pot de fleurs est assez abstrait et on peut voir deux espèces de personnages de part et d'autre du vase, mais on ne peut pas distinguer de visage où c'est vraiment très très abstrait. Ce deuxième album représente le déni et l'acceptation de la maladie par le patient. Et on peut y retrouver pas mal de sons comme dans le premier album, mais légèrement plus distordu et des mélodies un peu plus tristes. On peut également, quand on l'écoute au casque, avoir le sentiment parfois que la musique est un petit peu plus lointaine, parfois un tout petit peu moins forte. La musique de cet album est légèrement plus sombre, mais elle reste relativement similaire à l'album de la phase 1. Il y a quelques petites distorsions sur certains instruments qui font que on sent que c'est pas aussi joyeux que le premier album. Dans la description de cet album, James écrit que c'est le moment où le patient sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui et qu'il est dans le déni mais qui finit par plus ou moins accepter le fait qu'il souffre d'une dégénérescence de la mémoire. Il souligne le fait que les personnes à ce stade passent beaucoup de temps à se rappeler des choses par peur de les oublier et que la structure de ses souvenirs est encore quasi intact, mais qu'il commence à ressentir une légère confusion. Le nom des morceaux du deuxième album est également assez évocateur, puisque on peut y retrouver des morceaux comme A Losing Battle Is Raging, Quiet Dusk Coming Early et Last Moments of Pure Recall. Ce deuxième album se termine par une chanson assez triste qui s'appelle The Way Ahead Feels Lonely, qui signifie La voie à suivre semble solitaire. C'est une très belle conclusion pour ensuite enchaîner sur le troisième album du projet.
La pochette du troisième album ressemble à ça. J'ai pas spécialement d'interprétation à vous donner là-dessus, mis à part le fait que c'est quelque chose de très abstrait et que du coup le fait qu'on ne puisse pas réellement comprendre ce que c'est s'inscrit parfaitement dans la démarche du projet qui est ne plus se rappeler des choses. Quand je regarde cette image, j'ai l'impression de voir une espèce de plante verte, un peu une grosse plante grimpante, mais tu sais pas trop, elle part d'un peu dans tous les sens, c'est difficile d'identifier si c'est vraiment une plante, enfin c'est quelque chose de très bizarre. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires si vous avez une bonne interprétation de cette troisième pochette. Ce troisième album met en musique les derniers souvenirs du patient avant que la confusion ne s'installe beaucoup plus dans son esprit. C'est à ce moment-là que les souvenirs un peu plus importants peuvent commencer à être plus flous, voire disparaître. Sur la musique du premier et du second album, on a l'impression qu'il y a quelques éléments distordus parfois, mais là c'est carrément tout le flux musical qui semble distordu. Et ça donne tout de suite un effet de confusion, comme si c'était vraiment embrouillé à des endroits, même si la musique est toujours bien perceptible et qu'on peut facilement décrypter encore les mélodies. Notre ami James caractérise ce troisième album avec une description qu'il donne qui est « Cet album caractérise les dernières braises de la conscience avant le stade de la post-conscience ». Les titres de cet album ont également des noms que je trouve assez évocateurs, donc je vais vous en donner 2-3. On peut du coup trouver des titres comme « Bewildered in other eyes », ce qui veut dire perplexe dans les yeux des autres, Burning Despair Does Ache ou Aching Cavern Without Lucidity. C'est donc sur ces quelques titres de morceaux que nous allons pouvoir passer à la quatrième pièce de cette série qui représente pour James le premier album de ce qu'il appelle, de ce qu'on appelle même la post-conscience. Le stade de la post-conscience, c'est ce moment où le patient n'arrive presque plus à se rappeler de choses singulières et qu'il y a une énorme confusion qui s'installe, et c'est vraiment beaucoup plus marqué dans ce quatrième album, pour les raisons que je vais vous évoquer tout de suite. La pochette de ce quatrième album représente un visage de trois quarts, toujours dans un style très très abstrait. Ce qui m'a marqué, c'est que la musique est un peu au dernier plan. Il y a du bruit par-dessus la piste qui ne permet pas de distinguer clairement vraiment ce qu'on entend. Et il y a un espèce de bourdonnement en même temps. Une chose que j'avais notée sur mes notes, c'est que c'est ultra compliqué de penser et de réfléchir en écoutant cet album. Ça incarne assez bien la démarche de James Leyland Kirby, qui est de montrer que la personne ne peut plus penser. Et là, j'avais du mal à penser au moment où j'écoutais cet album, et je me suis dit quand même, c'est vachement bien foutu. Pour vous illustrer ça, c'est comme si vous essayiez de réfléchir et qu'il y avait un train infini qui passait devant vous sans jamais s'arrêter. Vous seriez à 1 ou 2 mètres du train, et du coup c'est difficile de réfléchir dans ce genre de situation puisqu'il y a un brouhaha constant. Sur cet album, James joue également sur le panning. Le panning, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de, quand on crée une musique, on peut choisir si on va mettre des éléments plutôt à gauche ou à droite, ce qui fait que quand on a un casque, on a 2 oreillettes, des éléments vont être à gauche, puis à droite, puis ils vont revenir à gauche, etc. Et ça donne un peu cet effet de tournis et de confusion également. Bref, cet album est vraiment pas très agréable à écouter. Ça montre vraiment qu'il y a une confusion totale pour le patient. Et on va pouvoir désormais passer à la cinquième phase de ce projet. La phase 5 est vraiment terrifiante. C'est une longue piste qui mélange beaucoup de bruits sourds avec parfois des éléments qui peuvent rappeler un peu l'univers de l'horreur. On peut retrouver des répétitions de bruits étranges avec des ruptures un peu extrêmes qui ensuite repartent sur le bruit en question avec un espèce de gros bourdonnement en fond. C'est quelque chose qui met vraiment très mal à l'aise, et j'ai failli même pas finir en fait la phase 5 quand je l'écoutais, tellement ça me mettait mal à l'aise et je savais pas trop combien de temps ça allait durer en fait, puisque la piste que j'ai utilisée pour écouter l'album était une longue piste de 6h30, et du coup on sait pas si la phase 5 va durer 1h, 30 minutes, 1h30.
Et la pochette de la phase 5 est extrêmement difficile à interpréter. On comprend bien qu'il y a un escalier. En revanche, la chose qu'il y a sur cet escalier, c'est quelque chose d'indescriptible à mon sens. Après, j'ai vu que l'auteur, le peintre du coup de ce tableau, indique que c'est une ballerine sur un escalier. Personnellement, j'aurais eu beaucoup de mal à le trouver sans l'interprétation du gars. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que c'est ce même artiste, donc qui s'appelle Ivan Seal, qui a fait toutes les pochettes du premier album au sixième album. C'est une belle collaboration entre le musicien et le peintre, puisqu'ils ont vraiment réussi à reproduire en images et en musique la perte de mémoire, donc c'est super bien fait. Dans cette cinquième phase, on ne retrouve plus du tout d'éléments musicaux des albums 1, 2 et 3. On peut parfois percevoir des bouts de musique qui arrivent comme un éclair de lucidité, mais ils s'en vont aussitôt et laissent place au brouhaha qu'il y avait juste avant. Et c'est ultra frustrant, je pense que ça illustre parfaitement le fait qu'une personne peut se rappeler de quelque chose, mais c'est, tout de suite ça s'en est allé, c'est quelque chose qui est vraiment très éphémère, et la mémoire ou la conscience de la personne ne lui permet pas de mettre des images ou plus de choses sur cette bribe de souvenirs qui pourrait venir dans son esprit. Du coup, on a le sentiment que la musique... Et là, on aimerait qu'elle dure plus longtemps, mais elle est presque imperceptible en fait. C'est comme si tous les souvenirs se mélangeaient et que plus rien n'avait de sens, au point de se demander si ce souvenir existe vraiment. Est-ce qu'on a vraiment vécu cette chose auquel on est en train de penser? Ou est-ce que on est tellement dans la démence qu'on a complètement créé ce souvenir en mélangeant plusieurs pièces de différents souvenirs? Enfin, c'est une très bonne question de savoir est-ce qu'on peut vraiment être encore rationnel et se raccrocher à certaines choses. De toute façon, même si tu arrives à être rationnel quelques secondes, tu l'auras oublié juste après. Donc, c'est quand même peine perdue. La description que James donne à cet album caractérise l'isolement. L'isolement du fait que les personnes atteintes de démence sont tout le temps dans l'instant présent, puisqu'elles ne peuvent pas penser au passé vu qu'elles ont probablement tout oublié. Il est difficile, voire impossible, de prévoir des choses avec ces gens-là, donc dans le futur, puisqu'elles vont également oublier et généralement poussent ces gens à s'isoler d'eux-mêmes, puisque les gens ont du mal à passer du temps avec les gens atteints de démence. Ce cinquième album se termine par un morceau qui s'appelle Sudden Time Regression and Isolation, ce qui signifie soudaine régression temporelle vers l'isolement. Je suis pas certain que ce soit ça la traduction exacte, mais en tout cas c'est comme ça que je pense que ça doit se dire. On va pouvoir du coup passer à la dernière pièce, au dernier album de Everywhere at the End of Time. Le sixième album du projet est le seul qui ne contient pas de description. La pochette représente un tableau de dos et je trouve que c'est vraiment super bien trouvé puisque ça montre bien que le souvenir est probablement en nous mais on est incapable de mettre le doigt dessus. Dans cet album, il n'y a clairement plus aucune trace de musique, que ce soit la phase 1, 2, 3 ou même les bribes qu'on pouvait avoir sur la phase 4 ou les éclairs de lucidité qu'on pouvait avoir sur la phase 5. On entend juste un long grondement parsemé de bruits ambiants qui viennent par-ci par-là rajouter un peu de texture à ce grondement, mais c'est pas vraiment de la musique. En écoutant le sixième album, on finit par se faire à l'idée que c'est normal. Et ce que je veux dire par là, c'est que, étant donné qu'il n'y a plus de musique, on s'habitue à ce grondement et c'est quelque chose qui devient normal. Et je pense que les personnes atteintes de démence ont également cette étape-là où elles ont tellement tout oublié, elles n'ont tellement plus aucun repère, qu'elles sont comme dans un état de flottement, de vide. Et vraiment, c'est ce que ce grondement m'inspirait, c'était comme un peu le vide sidéral et on se sent extrêmement seul. On a parfois l'impression que la musique va redémarrer, mais c'est malheureusement jamais le cas. Il y a toujours ce long grondement qui dure assez longtemps et dure dans mes souvenirs pas loin d'une heure et effectivement la musique ne repart pas. Je pensais que le projet allait se terminer sur ce long grondement et qu'il allait disparaître petit à petit, mais en fait soudainement on entend comme un bruit d'orgue qui tient un accord très longtemps et on peut entendre comme des nappes de ce qu'on appelle des pads et ça dure pendant un long moment où on est vraiment comme si on planait dans un entre-deux.
d'un coup, la musique s'arrête. C'était un moment assez intense. La musique redémarre, on entend des chœurs féminins. Ça fait un peu comme des chœurs d'église, ça fait chant religieux. C'est un plaisir à ce moment-là de pouvoir réentendre de la musique. C'est vraiment un plaisir puisque après s'être envoyé plus de 2 heures de bruit, de bourdonnement, de grondement, cette musique c'est une bouée de sauvetage. Ça m'a également rappelé énormément de... Ça m'a fait remonter en fait beaucoup de souvenirs vis-à-vis de ma grand-mère. Et j'étais assez ému en fait en écoutant cette phase, cette dernière partie du dernier album. Du coup, il y a plusieurs interprétations à ces 10 dernières minutes à la fin du projet. Certaines personnes voient ça comme la lucidité terminale, c'est-à-dire que c'est un moment où les patients atteints de dégénérescence de la mémoire très poussée, avant de mourir, ils peuvent avoir cette lucidité terminale où ils vont reconnaître tous les gens autour d'eux, se rappeler de qui ils sont, se rappeler de ce qu'ils ont vécu, pouvoir avoir un dernier moment de clarté avant de partir en fait. Les chœurs disparaissent, ne laissant que des statiques, donc des petits bruits, des tout petits bruits en fait. Et ensuite, l'album se termine par une minute de silence. Bon, je pense que pour la minute de silence, on n'a pas besoin d'être le champion de l'interprétation pour comprendre que ça signifie l'hommage à la personne défunte. C'est pour moi, je pense, une des plus belles œuvres que j'ai connu de mon vivant du haut de mes 26 ans et de mon humble existence. Après, je suis peut-être plus sensible à ça du fait que j'ai connu quelqu'un d'assez proche qui est parti à cause de ça. Ces 15 dernières minutes de l'album sont vraiment incroyables. Elles n'ont pas le même impact si tu écoutes juste ces 15 minutes-là ou si tu écoutes tout le projet. Du coup, suite à la fin de l'écoute de cet album, je me suis posé énormément de questions sur la perte de mémoire et comment on le ressent en fait. Si on est à un stade de dégénérescence de la mémoire totale, comme le montre ce 6e album, est-ce que à ce stade, on se soucie encore du concept de mort ? Est-ce qu'on a conscience de ce que c'est ? Est-ce que ça nous fait peur toujours ? Ou est-ce qu'on a complètement oublié qu'on va mourir avant même de mourir ? Est-ce qu'on peut oublier d'oublier ? Apparemment, les personnes qui sont atteintes de dégénérescence de la mémoire, souvent la dernière chose dont elles se rappellent vraiment, c'est l'air d'une musique qu'elles aimaient beaucoup. Et il y a quelque chose qui a été constaté par des médecins qui est que quand une personne oublie cet air qu'elle fredonne ou qu'elle chantonne régulièrement, elle meurt généralement très peu de temps après. En même temps, je me dis quand tes souvenirs n'existent plus, que tes amis n'existent plus, que ta famille ou ton conjoint n'existe plus, que ton vécu n'existe plus puisque tu l'as oublié, que tout ça est parti, est-ce que la mort c'est si horrible que ça? Je sais pas. La vidéo était peut-être un peu longue, mais ça me tenait vraiment à cœur de vous partager ça. Je souhaite sincèrement bon courage à tous les gens qui sont en train de traverser quelque chose avec une personne qui est atteinte de dégénérescence de la mémoire, ou à tous les gens qui l'ont vécu. C'est quelque chose de pas facile, et j'espère ne pas mourir comme ça, et j'espère que mes proches ne mourront pas comme ça, et je souhaite à personne de mourir comme ça, parce que ça a l'air d'être quand même quelque chose de très très dur, et pour soi-même et pour les autres. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous voulez suivre ma musique ou ce genre de vidéos que je pourrais faire à l'avenir. Du coup, je vous dis, prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao, ciao.